Je vais essayer d'ouvrir ma porte qui est très compliquée à ouvrir. Voilà, depuis cet été, ça s'est aggravé. Ma plus grosse crainte, donc ma chaudière est située ici et là tout le mur se fend en escalier. La résidence de Fatma se fissure de partout. En face, dans la maison d'Emmanuel, de nouvelles fentes sont apparues. Le 9 août dernier, les 200 sinistrés de Courchevernie ont été à nouveau déboutés de leur demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Nous sommes indignés. Indignés, on est incompris, on a l'impression qu'on est des oubliés. Pourquoi des communes comme Courchevernie sur un sol argileux n'est pas reconnue alors que des communes sur des terrains calcaires le sont? On ne comprend pas. On ne comprend pas et on souhaite vraiment que cela change et qu'on ait des élus qui comprennent notre situation et on souhaite vivement être reconnus. Un sol argileux à 97%, une sécheresse récurrente. La commune de Courchevernie remplit pourtant bien les critères d'obtention de l'état de catastrophe naturelle. Il permettrait de déclencher les indemnisations des assurances aux sinistrés et de leur redonner aussi un peu de sérénité. On a des médecins sur la commune qui me disent qu'il y a des gens qui se soignent parce qu'ils sont dépressifs, il y a des gens qui sont malades même. Quand on voit derrière moi ce qu'il y a, c'est quand même dramatique et les gens, je me mets à leur place. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer sur la commune pour ces gens-là. Si demain ils perdent tout, ils ne peuvent même plus revendre leur maison, ils ne peuvent rien faire. Travailler une vie pour se payer une maison et avoir rien à la retraite, franchement, c'est déplorable. Loin de baisser les bras, l'édile a décidé de s'adresser au plus haut niveau de l'État et d'envoyer un courrier au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les sinistrés s'apprêtent, eux, à constituer un nouveau dossier pour faire valoir l'état de catastrophe naturelle.